L'un des effets évidents est la peur généralisée chez les croyants et les incroyants. Et je sais que vous avez beaucoup traité sur le sujet de la peur récemment. Dans les Écritures, il nous est dit de ne pas avoir peur. Est-ce un péché de craindre dans une situation comme celle-ci? Oui, c'est un péché de craindre si vous entendez par peur le sentiment que tout est hors de contrôle. Il est judicieux de dire « conduisez prudemment » et d'avoir peur si vous êtes irresponsable ou si vous ne conduisez pas prudemment, car vous pourriez avoir un accident. Il est raisonnable de craindre d'envoyer des SMS lorsque vous conduisez, non? Nous ne devons pas faire cela. Il est judicieux de ne pas monter dans un avion avec quelqu'un qui vient d'obtenir sa licence et qui veut survoler les montagnes. C'est une peur normale. Oui, je pense qu'il y a des craintes légitimes à mettre dans la catégorie « protection sensible ». Vous voulez faire attention à certaines choses et c'est normal. Mais la peur dont vous parlez, la peur pécheresse, est que le monde n'est pas sous le contrôle de Dieu. Si vous dépossédez Dieu de sa souveraineté sur tout, c'est un péché. Donc, concernant tout ce qui se passe dans votre vie en tant que chrétien, la réponse est « Dieu est au contrôle ». C'est dans son plan, c'est dans son dessein. Cela correspond à ce qu'il fait. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est pour notre bien. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves, car elles sont à l'œuvre pour notre perfectionnement. Dieu utilise tout dans ce monde pour accomplir sa volonté, accomplir son dessein et nous conformer à Christ. Cela élimine la peur. Je n'ai pas peur de mourir parce que je vais être avec le Seigneur. Je n'ai pas peur de ce qui me ferait mourir parce que c'est la façon dont je vais rejoindre le Seigneur. Je n'ai peur de rien d'autre qui pourrait changer ma vie de manière permanente, car c'est aussi le plan du Seigneur. Écoutez, j'aimerais pouvoir vivre comme je vis maintenant, avec force et énergie, en étant capable de faire et de pouvoir continuer de le faire, en étant capable de travailler et de pouvoir achever ce que je fais. Mais ce n'est peut-être pas le plan du Seigneur pour moi. Il pourrait prolonger ma vie, même si je ne suis plus capable de tout faire. Et personne ne veut d'une vie prolongée. Vous seriez juste quelqu'un dont tout le monde doit s'occuper. Mais si Dieu a un but dans cela, c'est son dessein, c'est sa volonté. Je pense donc que ce qui enlève la peur, c'est que Dieu est votre protecteur. Dieu est celui qui a votre vie entre ses mains et il sait tout ce qui se passe dans votre vie. Et il a un but et un plan et il mettra cela à exécution. C'est inévitable. Il est au contrôle. C'est la confiance ultime qui enlève toute peur. Et si vous avez peur, c'est parce que vous ne faites pas confiance à Dieu et à ce processus d'accomplissement de sa volonté.